Ma fille a fait pipi au lit à 4 ans. Voilà comment j'ai réagi. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, vous faire un retour sur la réaction que j'avais eue avec ma fille, comment j'ai géré ce moment. Euh, voilà, ça faisait un moment que ma fille était propre, donc elle se retenait facilement, qu'elle dormait avec une culotte, donc plus de couches, plus, plus de moyens de protection. Et il y a un moment où il y a eu un pipi au lit. Et euh, je voulais vraiment vous partager, euh, rentrer dans l'intimité, vous montrer un petit peu comment j'avais réagi euh, en toute transparence pour que bah, vous puissiez vous aussi euh, peut-être vous identifier, peut-être vous dire euh, bah, comment réagir. Donc j'avais envie de vous partager ça pour vous permettre de prendre ce que vous avez besoin de prendre pour justement peut-être l'adapter à votre situation. Je m'appelle Julien Tocher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant par le biais d'astuces, de conseils ou de bilans personnalisés. Si vous voulez un accompagnement sur mesure, vous pouvez remplir votre bilan personnalisé, dont le lien est en description, et je vous rappellerai pour faire un point avec vous sur les solutions qui se présentent à vous dans votre situation. Donc ce qui s'est passé concrètement, euh, ma fille, en fait, il euh, bah, y a une nuit où elle m'a appelé, donc là, la réaction que j'ai eue, la première action, c'est que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Ça y est, il y a un pipi au lit. Euh, euh, je dirais que j'étais plutôt dans, dans une forme de, de colère ou d'énervement euh, dans le fait d'être réveillé surtout d'être réveillé alors je sais plus quelle deux ou trois heures il était dans le fait d'être réveillé ça m'a un petit peu agacé par contre j'étais vraiment vis-à-vis -vis de mon enfant vis-à-vis euh, -vis de ma fille j'étais euh, en mode je vais la rassurer je vais euh, voilà je vais l'accompagner là-dedans pour vraiment qu'elle vive au mieux ce, ce pipi au lit. Et je pense que c'est important de distinguer les deux choses, c'est-à-dire on a le droit d'être énervé, d'être en colère, d'être parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie d'être réveillé en pleine nuit, hein. ça ne fait jamais plaisir d'être réveillé en pleine nuit. Mais il euh, faut distinguer ça du fait d'aller voir son enfant. Euh, c'est deux choses différentes, moi je considère. Alors, on peut mélanger les deux sensations, les deux émotions, mais euh, si vous arrivez à faire part des choses, eh bien, vous pouvez, vis-à-vis euh, -vis de votre enfant, être plus neutre et plus factuel. Donc ce que j'ai fait, je me suis levé. Donc là, euh, bon, elle était arrivé. Donc euh, je lui ai dit bon, on va changer les draps. Je te mets à la douche, tu te rinces avec le jet, Donc je vais brancher le G, elle s'est mis euh, euh, au chaud, sous l'eau, le, sous le temps que je change les draps. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je me souviens, j'avais mis, euh, j'avais regardé les draps s'ils étaient vraiment mouillés, pour la mettre bah, soit d'un côté, euh, j'ai replié ou euh, la laisser au même endroit, mais enfin complètement changer les draps. Donc ce que j'avais fait là, il y avait un moment du pipi partout. Donc j'ai enlevé tous les draps, j'ai changé les draps. Une fois qu'elle est sortie de la douche, euh, je l'ai séchée, je l'ai séché, remise au lit en pyjama au lit. Voilà bonne nuit, on est tous allés se coucher. Le lendemain, bon j'ai fait tourner les draps, mais le voilà le soir, ce que j'ai fait du coup, je lui ai remis une couche et je lui ai expliqué parce que ça faisait un moment qu'elle en a pas eu de couche, qu'elle n'en avait pas eu. Donc euh, il y a une surprise de sa part et s'est dit ben, pourquoi je remis une couche Et je lui ai dit, ben, écoute, voilà il y a eu un petit pipi au lit hier soir. Euh, papa y remet une couche, tout simplement. Voilà, si jamais il y a à nouveau un pipi au lit cette nuit, comme ça, tu vas pouvoir continuer à dormir, les draps sont pas mouillés, et après, on l'enlèvera. Et j'ai vraiment eu cette attitude, euh, je dirais, de la rassurer, de, au moment du pipi, quand je, je fais un petit peu à distance le point, j'ai vraiment eu cette attitude de la rassurer, d'être en mode, euh, voilà, ce n'est pas grave, tu as fait un pipi au lit, mais ça peut arriver. Et vraiment, le lendemain, de lui expliquer, ben voilà, il y a eu un pipi hier, on met une couche juste au cas où, mais voilà, tout, tout est finalement, euh, je n'ai pas changé ma façon de faire, je ne pas dit, euh, va faire pipi, sinon tu risques de faire pipi au lit. J'ai en fait continué ma routine euh, habituelle, c'est-à-dire le, 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 les différents arrêts pipi que je fais dans la journée, j'ai continué exactement pareil, j'ai juste mis une couche, où je lui ai expliqué, puisqu'elle me l'a demandé, mais je pense que c'est important de rester... Dans la même routine, de rester dans le même schéma pour montrer à l'enfant que ben, finalement rien ne change. J'ai eu ce pipi au lit, mais c'est un accident, comme euh, ben, l'enfant qui renverserait un vase. C'est pas pour ça qu'il va renverser tous les vases. Euh, l'enfant qui euh, qui fait un caprice au supermarché, il va pas forcément faire un caprice à chaque fois. Donc vraiment rester dans ce dans ce côté, je trouve que c'est important de rester dans le côté. Voilà, il y a eu une fois, mais j'en tiens enfin, j'en tiens compte, mais ça change rien dans euh, la façon dont je m'occupe de toi. Euh, je change pas puisque c'est pas très grave, c'est pas important. On en tient compte, on s'adapte, mais voilà.